bonjour la populace. Nous sommes lundi matin, il est 5h15. Nous sommes partis depuis 15 minutes. Partons en direction de la ville de Chien. Oh petit lapin, concentrez-vous messire. N'aie crainte coucouille, je connais parfaitement mon destrier. Taillot pour Chien. Taillot. Ah oui Taillot. Taillot messire. Ok, let's go. Allez, on part de Gien. Parisien, tête de Gien. C'est marrant ça. C'est nul. J'ai vu mon affouetteur. Apparemment, il faut que je rentre au Havre ce soir pour essayer de rentrer la boîte. Donc ça me fait claquer une 10h dès le lundi. C'est génial. Ah oui, j'ai oublié mes lunettes. Heureusement que j'ai mes lunettes de secours de Léon, comme il y en a qui m'ont fait remarquer dans les derniers commentaires d'une vidéo où je portais ces lunettes. Attention le radar. Merci. Bref, on y va parce que ce matin je suis arrivé en retard donc j'aurais pu repartir un peu plus tôt. Je suis arrivé en retard pourquoi? Parce qu'il y avait déjà le bouchon au niveau d'Orléans parce que au niveau de la sortie ils ont mis qu'une seule voie poids lourd. Ensuite, une déviation qui s'est mise en place devant moi pratiquement parce que j'ai suivi le camion de la TDE après qui mettait en place les panneaux de déviation. Super! Et puis troisième chose, petit convoi exceptionnel donc je suis arrivé avec une demi-heure de retard chez le client. C'est honteux! Ah, j'aime pas ça! J'aime pas ça, nom de Dieu! Calmez-vous, monseigneur, calmez-vous, par pitié! Non! Non! Je ne me calmerai pas! Là, là, c'est la décadence! Fallait que j'en parle encore ce matin en me disant super mon affréteur il m'envoie jamais en région parisienne. Bim. Allez, Chilly Mazarin demain 7h. Ça va être tendu. Ouais, ça va vraiment être très pas bien. Oh. Bon, on file à TDF et on voit ce qu'on peut faire. Hop là, 19h30. Bon, bah, je suis encore au Havre. Demain, rendez-vous Chilly Mazarin. J'ai déjà dit tout à l'heure. Je pensais qu'il allait faire plus chaud que ça, mais non, on va être bien. Oh, Tintin, on va être bien. Il y a que les anciens qui peuvent comprendre ça. Tout à l'heure, je voulais me garer, et là, j'ai un chauffeur qui me fait... Hey, garde-toi là, viens, viens. Viens, on est bien. Non, je suis parti me garer plus loin. C'était mal, ça, je sais pas. À moins que tu sois... Ah, c'était peut-être un abonné. Et si tu te reconnais lors de ce visionnage de vidéo, mes plus plates excuses. Sinon, c'est que j'ai bien fait. Bon, allez, bonne nuit, à demain. Bonjour mardi. Bonjour, monsieur Mardi. Il est 4h30, on décolle du Havre. Direction la région parisienne. Bon, maigre consolation, on est au mois d'août. Donc forcément, ça va rouler beaucoup mieux. Il y aura beaucoup moins de monde. Ça va être beaucoup moins galère. Après la région parisienne, au mois d'août, t'as aussi les travaux, les déviations. La bonne surprise. Rendez-vous 7h, j'y serai pas. Quelle misère. Misère. À quai. 4h30 à quai. Bon bah j'ai eu le temps de prendre une bonne grosse douche. Bon par contre il n'y avait pas d'eau chaude. Hein? Vous voyez? Ça réveille un petit peu. Du coup on repart sur le Havre. Allez 4h. 4h parce que ce coup là je prends pas les péages. Ce matin j'ai pris les péages à fond, tout debout comme on dit. Ça pousse. Pour arriver à l'heure, je suis arrivé avec 2 minutes de retard. Ah nom de Dieu, nom de Dieu. Qu'est-ce que j'aime pas la région parisienne? Tout est moche, délabré, pollué, gris. J'aime pas. Ça commence à se voir. Allez, c'est parti, on retourne en Normandie.
de la Bretagne, féerie celtique. Je ne saurais comment nommer ce lieu. Un refuge sur une 2x2 voies pour passer la nuit. Je crois que c'est le karma pour la dernière fois que je suis venu en Bretagne avec ce que j'ai raconté sur eux. C'est bien fait pour moi. Oh purée. Plusieurs petites dédicaces, après je vais oublier. À Isera Nebulae qui m'a fait un petit poème sympa sur le quelque chose sur lequel j'ai insisté lors de ma dernière vidéo. J'aimerais aussi faire un petit clin d'œil à mon abonné Stéphane. Et je vais donc lui souhaiter un très très bon rétablissement en espérant que cette épreuve soit uniquement passagère. Ça c'est fait. Oh là, j'aime être bon et partager sans rien demander en retour. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, je vais vous dire à demain. J'ai 2h30 de route qui m'attendent encore et j'ai rendez-vous à 14h. Ça va ? Allez, à demain, si je résiste à la Bretagne. Mercredi matin, 11h, bonjour, Bretagne, toujours. Il y avait peut-être un plan pour que je puisse aller plus rapidement chez mon client, enfin plus rapidement, et plus tôt. J'ai un collègue qui y est déjà et on m'a dit, ne viens pas plus tôt, ça ne sert à rien, c'est pas comme d'habitude. Et là, il m'a envoyé une photo de l'intérieur de ce conteneur. Je vais pas vous envoyer la photo, par contre, je vais vous filmer ça tout à l'heure. C'est pas comme d'habitude, c'est plus artisanal, plus typique. Attendez la surprise. On m'a mis à l'intérieur parce que le conteneur aurait été en plein soleil et les intérimaires pour décharger des petits ballots d'algues. Ça aurait été très compliqué pour eux. Honnêtement, je les envie pas du tout. Là, on va voir ce que ça donne parce qu'apparemment, ce matin, il y a eu un premier camion, donc un collègue de la même boîte que la mienne. Bah, il y a deux intérimaires qui se sont barrés. Et, tiens, je vais appeler l'affréteur. Je suis retourné dans le camion parce que, de toute façon, ça va sentir, ça va imbiber tout. Ça, c'est les algues, mais ça sent. J'ai déjà senti dans un poulailler, bah, ça sent pareil. Des algues, je sais pas, des algues de poulet. Bah, c'est breton, plus rien ne m'étonne. Oh, la batterie. Voilà, donc la batterie est changée. Alors, truc très, très 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 agréable quand on arrive, c'est que il y a le réceptionnaire qui te regarde, qui fait ah oh, bonjour monsieur Normandie. Je dis, ah, c'est bien, tu te rappelles? Ben oui, je me suis abonné, puis je regarde tout le temps maintenant. J'ai commencé à m'immiscer dans l'inconscient breton. Je suis partout, je vois tout. Bon, bah finalement, ça a été vite. 2 heures pour décharger mon 40 pieds. Refais la scène une deuxième fois, j'avais oublié d'allumer la caméra. Eh, hey, bien Mathieu. Après, attention, ils ont été vite déjà parce qu'il y avait un chef. C'était pas l'élément le plus important de la motivation parce que en fait, ils pataugeaient dans des algues pourries. Faut savoir que le breton, c'est son élément naturel. Hein. Vous pouvez voir, hein, si vous allez en bord de mer en Bretagne, ils aiment bien se rouler dans les algues à marée basse. Là, bah, je leur apporte forcément un 40 pieds d'algues toutes pourries. Forcément, bah, ils étaient heureux. Allez, Le Havre, c'est parti. Et voilà, journée terminée. Donc le temps de faire du papotage par texto, le temps de faire du papotage en vocal avec des abonnés. D'ailleurs, on m'a proposé certains trucs. Ça devrait être assez surprenant pendant les 24 heures du Mans Camion. Oui, parce que j'y serai, 24 heures du Mans Camion. Pas tout de suite, mais je vous laisse une petite surprise. Plutôt sympathique. Ça fait quelques temps que je voulais vous parler de ça. Souvent, j'ai des questions sur la chaîne. Moi, je cache absolument rien. Si, par exemple, vous voulez enquêter sur ma chaîne ou une autre chaîne parce que vous trouvez qu'il y a des choses bizarres, trop d'abonnés d'un coup, ou savoir même les revenus de la chaîne, vous allez sur le site Social Blade. Donc la lame, en anglais, la lame sociale. Social Blade. Bah tiens, je vous mets un petit lien là. Vous tapez la chaîne YouTube que vous voulez, et si vous trouvez qu'il y a des choses étranges, bah, vous pouvez les vérifier via ce site. Donc j'ai ma mission pour demain, je vais arrêter de faire le rageux, hein, parce que Montargis, voilà, c'est encore Montargis demain. Fermez votre boîte à Montargis, exportez-vous à Saint-Tropez par exemple. Ça changera rien entre nous, je viendrai vous voir à Saint-Tropez, même si ça me coûte. Mais là, Montargis, ça vend pas de rêve, même pour vos clients, Montargis. Ouais. Non, non, par Quentin de Montargis. Je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. Moi, je vois rien d'autre là-bas. Hein. Petit bisou, ou gros poutou. Même des boujoux. C'est normand, ça, boujoux. Par boujoux, pour ceux qui savent pas, qui sont pas normands, ça veut dire bonjour, au revoir et bisous. Bah, c'est la même chose pour tout. Donc, je vous dis boujoux. À demain. Jeudi matin, 10h50. Êtes-qui le premier à Madrid?
c'est toujours moi le premier, c'est moi. Mettez-vous ça dans la tête, les gens. Arrêtez d'essayer de venir avant moi. Je suis prioritaire. Moi, j'ai bien dormi, je suis en forme. En avant, joyeuse troupe. Bon, bah, je repars chez mon client, ça s'est très bien passé, c'était très vite, 40 minutes. Réutilisation du container, je pars en direction de 3 chez un transporteur. Je vais tenter de me faire charger ce soir pour pouvoir commencer à remonter un petit peu, faire ma 11h et repartir si possible, le plus tôt possible. Si possible, le plus tôt possible. Ça, c'est pas mal, ça. Dites non, monseigneur est très inspiré. Roméo. Ah, c'est qui, monseigneur? Le gueux, là? C'est Malandrin, c'est Gueux, c'est Manon. N'auront d'autre choix que de m'accepter ce soir. Bien mal leur en prendrait de me refuser. Coucou, il prépare un bûcher au cas où. J'adore les bûchers, monseigneur. Moi aussi, coucouille. Moi aussi. Désolé pour la tenue, il fait super chaud. Je me suis arrêté à 3 chez mon client, donc pour demain c'est super. Par contre, il commence à pleuvoir, en fait il y a l'orage qui se lève. Ah, et s'ils ont à courir de ce temps-là, ils sont fous les gens. Je sais pas ce qu'ils font les gens à courir comme ça. En plus ils tournent en rond, ils courent pour rien. Footing. Foutage, ouais. Oh purée. Demain c'est pas gagné, parce que demain, 3, Le Havre, il faut traverser la région parisienne. Vendredi, départ en week-end et départ en vacances. Voilà, vous avez compris. Cet orage est bienvenu, ça va laver le camion ou ça va rafraîchir l'homme? Oh là, quelle élégance! Quelle élégance! Regardez ça! Oh. Bienvenue dans mon univers. Allez, bonne nuit, à demain. 8h30 vendredi. Bonjour messieurs dames. Bon, je sais pas pourquoi, je sens pas cette journée du tout. Je suis pas confiant, je suis très méfiant et puis j'ai l'impression que je vais rester bloqué au Havre ou entre deux, mais que je vais pas pouvoir rentrer chez moi à cause des bouchons. Alors après c'est peut-être de la parano, c'est peut-être du défaitisme un peu primaire, mais bon, je sais pas, l'instinct. L'instinct qui me dit oh oh, c'est pas ta journée Mathieu. On verra, allez, on y va. Le Havre. Parfait, je pose mon container ATN, je récupère celui pour lundi au même endroit. Oh, un temps record. C'est parfait, c'est beau. Je sais pas à qui j'ai refilé ma poisse du vendredi, mais alors merci, hein. Merci du sacrifice. Oh. Sauf la destination pour lundi. Oh. Vous l'avez deviné, montage. En attendant, on repart voir les canassons chez moi. Week-end. Direction la casa. Ah, que si, mais que c'est pas des papels, hein. Une casa en dur. Oh, si. La semaine est terminée. Oh, ça fait pas de mal. Bonjour tout le monde. Ah bah non, je suis tout seul. Oh yeah. J'ai laissé la maison fermée. Il fait frais. Quand on rentre chez soi et que c'est à la bonne température. Ah, on se sent mieux dedans. Un petit peu. Non, rien. Toki. Ouf, les costauds. Ah, au week-end. Bon,
Petite escapade à Beaumont-le-Roger, regardez-moi cette belle barbe. C'est magnifique, hein, n'est-ce pas? Oui, j'étais à Beaumont-le-Roger faire 2-3 petites courses et j'avais rendez-vous de toute façon au barbier. Là, super équipe, super sympa, ambiance un peu 60s on va dire. Et ils sont même en train de rénover pour faire une nouvelle pièce. Oh, pas classe ça? Si c'est classe, moi je valide. Si vous avez une belle barbe et vous voulez faire un crâne totalement lisse, oh, ah ça fait bizarre, c'est tout doux. Beaumont-le-Roger, mon fief, donc moi j'ai mon domaine ici, là-bas j'ai mon village, enfin ma grand, mon bourg, on va dire, hein, où j'ai tous mes gueux qui travaillent pour moi. Donc n'hésitez pas, Beaumont-le-Roger, gentleman, ils m'ont rien donné, tiens à le dire, hein, c'est juste pour rendre service. Ah, cette fois je vous souhaite une bonne semaine. Bonjour les coquignons. C'était très bien, c'était très bien.